Mardi 13 juin 2017, le texte du jour. Ne refuse pas le bien à ceux à qui il est dû, chaque fois qu'il est au pouvoir de ta main de le faire. Proverbe 3, verset 27. Quand nos frères subissent des épreuves, nous pouvons les réconforter et les soutenir sur les plans physique, affectif et spirituel. Par exemple, nous pouvons aider ceux qui ont été victimes d'une catastrophe naturelle. Une veuve de la maison avait été très endommagée par un ouragan a exprimé ses sincères remerciements en ces termes. Je suis tellement reconnaissante d'être dans l'organisation de Jéhovah, pas seulement pour l'aide matérielle, mais aussi pour l'aide spirituelle. Citons également une sœur célibataire qui se sentait complètement impuissante et désespérée en voyant les dégâts qu'une tempête avait causés à son logement. Après avoir reçu de l'aide, elle s'est exclamée « C'est incroyable! Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Merci, Jéhovah! Nous sommes heureux de faire partie d'une famille de frères qui prennent vraiment soin les uns des autres. Et mieux encore, Jéhovah et Jésus, eux aussi, se soucient sincèrement de nous. »